Quels sont les points négatifs du chinois? La phonétique et les tons, ça peut être très difficile au début, mais au bout d'un moment, on s'habitue et de toute façon, tous nos efforts sont vraiment payés et c'est plutôt facile d'avoir de très bonnes notes en chinois. Il y a énormément d'élèves qui ont 20 de moyenne, enfin, c'est pas du tout anormal. Et voilà, faut bosser, faut donner de soi, mais c'est pas un investissement qui est trop grand par rapport au résultat.